Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Tuto PC6332 et on se retrouve aujourd'hui pour télécharger donc le fameux jeu Football Manager 2013. Donc alors pour le télécharger, vous allez cliquer sur le premier lien de la description, vous téléchargerez BitTorrent. Vous faites lancer le téléchargement. Ensuite, vous cliquez sur le second lien de la description, vous téléchargez sur Daemon Tools Lite, vous faites lancer le téléchargement. Et le troisième et dernier lien, vous faites Get This Torrent pour. Enfin, sur votre ordi, ça sera marqué Get This Torrent, mais ouais, c'est en français, donc voilà. Et ça vous lance un téléchargement. Donc, ça vous lance un téléchargement comme ça, Football Manager 2013. Donc, il est vraiment très rapide à télécharger, il fait 2,32 Go. Donc, vous faites un double clic sur Daemon Tools. Donc voilà, il s'ouvre, tac, on va supprimer ça. Voilà, donc vous faites ajouter une image. Vous allez dans vos téléchargements, bon, ils sont pas dans mes téléchargements. Donc je vais prendre Football Manager 2013, Schedule. Un clic dessus, ouvrir. Vous faites un clic dessus, vous faites lecture, vous choisissez le disque que vous voulez. Et là, vous faites Execute Setup. Il vous demande une autorisation, vous faites oui. Français, ok. Suivant, suivant. Créer une icône sur le bureau, suivant. Et là, vous faites installer. Moi, je vais pas le faire. Voilà, quand vous avez fait tout ça, normalement, à la fin, vous l'installez le jeu. Le jeu s'est installé. Après, normalement, vous devez vous créer un compte et tout ça, mais ça, je vous laisse faire. Donc, vous faites copier. Vous copiez tout ça. Vous rétrécissez. Donc là, on va faire un clic droit sur Football Manager. Vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Et dans ouvrir l'emplacement du fichier, vous allez ici et vous faites coller. Vous faites coller. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, donc ça risque d'abîmer le jeu. Donc voilà, et ben je vais démarrer le jeu et on se retrouve directement dans le jeu. Donc au début du jeu, ça peut vous mettre une erreur. Vous faites pas OK dessus, vous laissez l'erreur. Et donc je sais pas si vous voyez, mais le jeu il est en train de démarrer donc. Donc voilà, j'espère que ça rame pas trop sur ce que vous voyez. Voilà, c'est Sega R qui présente le jeu. Voilà le début du jeu. Sinon, il est de plutôt bonne qualité. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce tuto. Donc, en fait, là pour moi, je suis en train de télécharger le nouveau Call of Duty Black Ops 2. Et ce fameux jeu, et ben j'en ai téléchargé 3 des Call of Duty Black Ops. Et il y en a un qui est en train de télécharger en ce moment même. Et je verrai peut-être demain ou après-demain si je fais un tuto si je fais un tuto ou pas. Donc voilà, Football Manager donc voilà, vous pouvez voir le jeu, il marche, il est en français, il est de plutôt bonne qualité. Donc modification du thème, chargement des données du nouveau thème. Donc désolé pour ce truc-là. Donc voilà. Donc voilà, on va faire débuter le challenge. Ils vous mettent le changement de la base de données. Ils vous disent des petites astuces aussi.
En fait, ce jeu, je le trouve pas si mal que ça. Il marche bien. Je crois qu'il y a multijoueur dessus aussi. Donc, c'est un des trucs qu'il n'y a pas sur tous les jeux. Je pense que je vais faire un autre tuto ce soir. Mais je sais pas sur quoi, mais je pense en faire un. Je sais pas ce qui s'est passé là. En fait, non, c'est bon. Non, on va faire suivant. Suivant, suivant. Ok. Donc voilà. Bah, je vais choisir en Europe, je vais choisir bah, la France. Ouais, bah, si je veux pas que je prenne la France. Sur la France, voilà. Voilà, j'ai pris la France. Donc voilà, ça charge. Voilà, il vous donne toutes les astuces du jeu. Il vous donne des astuces. Que là, c'est vraiment un petit peu de France. Vous m'excuserez, ça rame un petit peu, mais... Donc aussi je vais vous parler de que je vais faire des gameplays maintenant aussi. Donc je sais pas si je vais faire des gameplays sur une autre chaîne ou je garde ma chaîne et je ferai une playlist pour mes gameplays. Donc j'hésite. Si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas à commenter. Et c'est tout ce que je veux vous dire. Donc voilà. Voilà, c'est presque fini. Ben... Et bien sûr, si vous aimez mes vidéos, bah likez. Et si vous voulez d'autres vidéos, bah abonnez-vous à ma chaîne. Ouais, n'hésitez pas à partager les vidéos. Et si vous n'aimez pas les vidéos, bah, commentez pourquoi vous n'aimez pas. Et je modifierai le tutoriel. J'en ferai un autre. Donc voilà. Tac. Bon voilà. Si je veux, je peux me connecter à YouTube. Ce que je vais faire aussi. Je suis pas sûr que ça marche. Moi, je vais me mettre sur Facebook, mais si en même temps. On va se monter.
Voilà, tac. Voilà, normalement c'est ça mon mot de passe. Bah, si c'est pas ça, je le ferai plus tard. Donc, continuez, voilà. On va prendre Lorraine. Bon voilà, vous voyez très bien que le jeu marche. Je ferai peut-être un tuto sur FIFA 13 bientôt. Donc voilà, bon, je vais laisser voir comment le jeu il est, quoi il reste mes tout. Donc là, ils vous mettent le journal sans prendre les rênes de l'OM. Mais si tu te PC 6302, parviendra-t-il à maintenir l'Olympique de Marseille en Ligue 1, alors que le club de l'OM est dans la situation très précaire à ce stade de la saison? Sans a pour tâche de parvenir à maintenir l'équipe. En fait, sans, c'est mon nom de famille. Enfin, non, c'est pas mon nom de famille, mais voilà. J'ai pas voulu mettre en vrai mon famille, je préfère garder le nom de ma chaîne YouTube. Donc désolé, ça rame un peu quand même. Et je trouve que ça rame pas trop quand même. Bon bref, je vais mettre à pause la vidéo et je recommence dès que ça recommence. Donc voilà, donc la partie a repris. Donc voilà, on va faire OK. Première partie, sauvegarder. Sauvegarde en cours. Donc voilà. Voilà, la sauvegarde est en cours. Donc je vais pas tarder à arrêter le petit gameplay.
Voilà, c'est en train de charger. Je trouve que ça met un petit peu longtemps, mais je suis un peu... je suis désolé pour ça. Voilà. Fermé. Voilà. L'OM. Ah. On a la dernière place. Donc voilà, vous voyez à peu près à quoi ressemble le jeu. Donc voilà, j'espère que... J'espère que ce petit tutoriel vous aura bien aidé. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto, un nouveau tutoriel.